Eh ben salut les amis! Alors aujourd'hui, ben samedi, hein, comme vous pouvez voir, brouillard. Putain, il y a un gros brouillard là. Donc, mais allez, ben, balade gravel. Hein. Donc dans le brouillard, alors à savoir quand même que j'ai passé la nuit. Comme vous pouvez voir derrière moi, hein, le vélo, gravel. Chargé bikepacking, donc j'ai passé la nuit sous la tente. Et ben sincèrement, j'ai eu un peu froid sur le matin, mais franchement, j'ai pas eu froid, pas réellement froid, j'étais pas mal. Voilà. Allez, et ben, je vous invite à me suivre sur le reste de ma sortie. Allez, c'est parti. Bon, ben, balade gravel, hein, donc après avoir passé une nuit dehors, ben, j'ai pas eu froid, pas plus que ça. Bon, c'est le froid ce matin qui m'a réveillé, hein, mais voilà. Et donc, ben, réveillé à 4 heures, donc j'ai roulé. J'ai fait mon petit déjeuner, j'ai roulé et puis voilà. Hein, donc là, je vais aller voir la copine et je vais l'emmener manger dans un des plus beaux village de France, un petit village médiéval, donc dans là, je vous en dis pas plus, je ferai des vidéos là-bas. Bon, c'est Pérouge, voilà, donc c'est dans là, et franchement c'est un super joli village. Alors j'y suis allé moi jeudi. J'ai fait une sortie vélo là-bas. Le problème, c'est que j'avais fait une super petite super vidéo. Mais au moment de faire le montage, et ben j'ai effacé la vidéo. Donc je m'étais embêté à faire le montage. Alors franchement, c'était super chouette, une super belle vidéo, et puis au moment de la mettre sur de la finaliser, et ben il me demande d'être chargé machin, enfin de vider le trop-plein, hein, et ben en vidant le trop-plein, ben, j'ai vidé tout, donc voilà, j'ai tout effacé, c'est dommage. Alors ça, c'est le fait que je comprends pas, parce que la GoPro, quand je fais une vidéo, et ben ça m'en fait plusieurs. Donc là, je comprends pas. Ça me fait même des photos en même temps. Alors ben, s'il y en a qui connaissent, hein, c'est la GoPro 9. La Hero 9 Black. Bah, s'il y en a qui savent, bah, qui me le disent, hein, parce que alors, franchement, ça pourquoi, quel réglage il faut faire là pour justement éviter ça, mais à mon avis, il ne doit pas y avoir grand chose en réglage à faire. J'ai tout essayé, donc oh, tant pis, hein, c'est pas. C'est partie remise. Hein, donc. Mais c'est dommage, parce que franchement c'était une jolie vidéo. Ah, ça m'a foutu bah, ça m'a foutu les boules, hein, clairement. Voilà, allez, ben continue cette balade. Là c'est vraiment humide, c'est glissant.
Alors hier, ben, j'ai pas filmé. Hier, j'ai pas filmé. Ben, justement parce que j'étais dégoûté de d'avoir perdu le... Bonjour. Voilà, c'est gras là. Oh. Donc j'ai pas filmé parce que ben, j'étais vraiment dégoûté. Enfin, voilà. Donc j'ai reçu mes piles. Donc avec le chargeur, hein, pile pour la GoPro. Hein, j'avais qu'une seule pile livrée avec la GoPro. Donc j'ai commandé 3 piles avec le chargeur. Donc ça me fait 4 piles. Voilà, je vais pouvoir faire des vidéos, mais il faut que je trouve comment pouvoir voilà, libérer de l'espace exactement, hein, me demander de libérer de l'espace, et ben, en libérant de l'espace, ben, je suis tellement bien libéré de l'espace que j'ai tout libéré, j'ai tout effacé, quoi. Mais vous inquiétez pas, je suis encore en vacances semaine prochaine, donc c'est parti remise. Voilà. Et puis je pense que aujourd'hui, vu que j'emmène la capine au restaurant là-bas, on fera quand même une petite vidéo. Voilà. Comme ça, vous aurez un petit aperçu. Voilà, voilà. Et là, ça glisse. Hein. Vous voyez, là, je rentre tranquille. Hein. Je rentre doucement, il n'y a pas besoin de... Et ben voilà, je fais une pause. Hein. Une pause, là j'ai trouvé un petit abri sympa, bien cool, franchement, on va pas s'en priver, bon, en même temps il pleut pas, hein. Il pleut pas, mais non, il y a du brouillard, mais bon voilà, c'est bien cool. Alors là, je sais pas si vous avez remarqué, là, voilà, je vais vous faire voir, donc ça, pareil, j'ai commandé alors l'ensemble, hein, donc le harnais plus le support. Donc c'est pour le téléphone. Donc je peux filmer au téléphone. Je ne sais pas encore ce que ça donne, je l'ai reçu hier. Hein. Je vais voir. Je vais voir ce que ça donne. Je vais essayer. Donc là, ça va être que poitrine, hein, parce qu'à mon avis, sur le guidon du vélo, ça va trembler dans tous les sens. Mais sur la poitrine, je suis assez... j'y crois assez. Donc, on verra. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous voyez. Le téléphone, il suffit de le mettre là. Bon, je vais le mettre dans l'autre sens, parce que c'est plutôt mon sens de... Voilà, il suffit de mettre, vous voyez. Bon, je sais pas si vous y voyez quelque chose. Bon, puis après, ben, filmer. Ben, donc... Allez, ben je vais passer sur le téléphone et puis on verra bien. Alors en attendant, le coin est chouette là. Hein. Franchement. Et ben voilà. Là, je filme avec le téléphone sur la poitrine. Voilà. Donc vous pouvez voir. Hein.
la GoPro qui est installée sur le vélo. Hein, donc je filme au téléphone. Hein. Alors bah c'est plutôt cool. Alors je sais pas ce que ça va donner dans la vidéo. Et bon, ça paraît plutôt pas mal. Donc voilà la petite cabane que j'ai trouvée. C'est plutôt sympa. Donc je vous fais un peu voir. Regardez cette descente. Regardez un peu. Là, il y a de quoi faire du gravel. Franchement, c'est sympa. Vous voyez, c'est franchement cool. Hein. Alors, je l'ai monté. Hein. Ben, je l'ai monté à pied, en vérité, parce que déjà, ça glisse. Mes pneus sont pas très accrocheurs. Donc, j'ai préféré monter à pied. Voilà, voilà. Mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc, je vous montre là, cette nuit, j'avais attaché le vélo, hein, comme vous pouvez voir avec l'antivol. Hein. Voilà, j'avais attaché quand même le vélo. Bon, en même temps, je pense pas que comme l'aurait volé, hein, surtout où j'étais. Surtout j'ai bivouaqué, franchement, si on avait voulu me piquer le vélo là, il fallait déjà en vouloir et puis il fallait savoir où j'étais, quoi. Voilà, mais bon, j'attache quand même parce que, on ne sait jamais. Je peux être suivi ou j'en sais rien, donc voilà. Alors pour le coup, maintenant je vais repartir là-bas, hop, par là-bas. Et puis voilà. Allez, ben on se retrouve un petit peu plus tard. Bon, ben les amis, je vais vous abandonner là. Donc, ben ça a été une sortie super sympa. Un bivouac, ben franchement, sympa. Et voilà, donc... conclusion, ben, pas mal, pas eu froid, donc ben, je pensais pas avoir froid non plus, hein, parce que je veux dire, c'est pas là, on n'est pas sur des températures très très négatives, donc voilà. Allez, ben écoutez, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis à très vite. Ciao, ciao, bye bye. Portez-vous bien, merci aux nouveaux abonnés.